Bonjour tout le monde, c'est DSSWX9 pour une vidéo de Call of Duty 5, enfin World at War quoi. Alors cette vidéo, je voulais vous faire une petite annonce, mais avant de commencer, je vous ai dit que je vous ferai pas de World at War. Je l'ai bien dit. Non, je rigole. Oui, je vous l'avais dit et en fait c'est que sur World at War, je l'ai trouvé à un grand magasin à côté de chez moi qui m'a valu 30 euros le jeu World at War. Et je me suis dit pourquoi pas l'acheter parce que c'est le Call of Duty que j'ai le plus aimé moi sur tous les Call of Duty. Et voilà, je suis retourné il y a on va dire 4 jours, ma plus grande partie. Comme un idiot, j'avais pas enregistré. Enfin, je croyais que j'ai enregistré en fait. Et j'ai enregistré dans le vide parce que j'avais pas branché mon HDPVR. Enfin, j'avais pas appuyé sur le mode capture. Et j'avais demandé à trois potes de me dire, enfin mes potes quoi, enfin deux potes à moi qui sont sur Code 5, de vouloir, enfin c'est pas ceux qui sont dans la partie. Ceux qui sont dans la partie, c'est Killer et Yann. Voilà. Et il y avait deux potes, je leur ai demandé de me dire où ils étaient les ennemis et tout ça. Parce qu'en fait, il y a un mode escouade sur ce Call of Duty. Vous pouvez appuyer sur la carte. Et dès que les trucs tirent et tout ça, ils m'avaient montré où ils étaient. Donc c'était vraiment sympa. J'avais fait un. J'en ai tué, on va dire, attends. J'en ai tué 50 et je suis mort 23 fois, voilà quoi. C'était pas mal et c'était pas un MME, c'était un domi. En domination, c'est déjà pas mal. Voilà. Enfin, pour une fois qu'il y a du monde en domi, il y avait, on va dire, 4, non, attends. 15 personnes, voilà. Parce que il y a plus beaucoup de monde, à part un MME et quelques autres modes, la domi, il a délaisse quoi. Voilà. Je vais faire une bonne série sur ce, enfin sur cette partie. Je me rappelle plus vers quand je vais la commencer la série. Mais en tout cas, elle va bientôt commencer. Attendez 3 secondes, vous regardez un truc. Bon, elle va pas encore commencer vers 4 minutes ou un truc comme ça. Voilà. Bon, alors on va parler de l'annonce, des petites annonces qui va passer sur ma chaîne. Déjà d'un, le dimanche là c'est exceptionnel que je fasse passer du Call of comme je vous l'avais dit. Ça sera que du battle. Après le mardi du Call of, ça sera soit du code 5, soit du code 4 en attendant de Black Ops 2 parce que j'en ai complètement marre de Black Ops parce que les Black Ops ils sont bien mais le problème c'est que je fais des bonnes parties mais le problème c'est pas ça, c'est que voilà j'en ai marre des maps, j'en ai marre enfin, du mode zombie je vous en ferai un. Promis mardi vous aurez un mode zombie de Black Ops Kino Der Toten, un truc comme ça. Par contre ça risque d'être long. Et ça sera pas promis parce qu'en fait il faut que j'attende que un pote à moi comment dire, me montre comment on utilise Skype Recorder et lui il sera avec moi sur Skype pour faire la partie à deux sûrement ou avec un troisième mais lui il sera pas sur Skype, lui il sera directement dans la partie, je le mettrai muet pour pas que vous l'entendiez parce que ça peut être dérangeant dans la vidéo. Et voilà, à la série en fait elle commence maintenant, voilà, je m'en souviens, là je lançais mon drone. Et là j'en tue un autre là qui est campé vers là. Enfin non sur le ponton je crois. Ouais sur le ponton. Non. Ouais bref. Alors après ce qui va passer sur ma chaîne. Blur bien sûr. Blur il y est déjà. J'en suis à mon troisième épisode. Jeudi il y aura le quatrième. Je m'améliore un peu. Non je rigole. J'essaye de vous montrer un jeu autre que les FPS parce que il y a des bons jeux partout. Voilà, c'est. Enfin, on regarde que les FPS, mais je vous conseille de l'acheter ce Blur. Il est énorme. Enfin, énorme. Graphisme, enfin, tout ce qui est graphisme, c'est énorme.
Après tout ce qui est ah ouais là je campe non je campe pas parce que je continue quand même à regarder un peu partout. Je peux me faire sniper à tout moment. Camper, je vous rappelle, camper c'est rester dans un coin et attendre un viseur fixe. Et moi là je suis en train de rusher pur. Ouais. Enfin non, je suis resté au même endroit mais j'ai pas campé, j'étais toujours en mouvement. Voilà. Après moi sur ces Call of Duty voilà surtout Code 5 là je viens d'y retourner, je trouve que c'est un bon Call of. Je me demande pourquoi il a pas été comment dire, il a été revendu parce que moi en fait moi je l'ai revendu pour Modern Warfare 3. Je croyais que c'était un bon jeu. Et voilà le résultat, des armes faciles d'utilisation. Enfin voilà c'est pas des armes cheatées, moi j'utilise pas ça. Enfin j'aime bien dire armes cheatées ou clés mortes, cheatées ou des trucs comme ça, mais je l'emploie pas du même sens que vous. Pour moi c'est armes faciles d'utilisation, mais par contre les clés mortes de Code 4 et les clés mortes de Black Ops c'est vraiment cheaté. Hein. Vous passez dessus, vous avez même pas le temps de reculer que vous avez déjà explosé. Voilà quoi. Et en plus, elles font des sacrés bons dégâts quoi. Bon, alors on va voir à quel. Attendez 3 secondes. Ouais, ben la partie va bientôt toucher à sa fin, mais bon, enfin, on va dire dans. On va dire, attendez, je vous le dis. Hein. Non, on peut pas. Ouais, bon, c'est pas grave. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai la vidéo en même temps pour voir, comment dire, la progression du gameplay. Parce que, comme vous voyez, sur toutes mes vidéos, maintenant, maintenant, j'attends que ça soit au nombre 1 pour lancer le commentary. Pour que ça soit mieux, parce que si c'est décalé, voilà, comme je vous dis, ça peut être dérangeant pour la vidéo. Enfin, ça sera pas tout le temps, enfin, ça sera pas complètement précis à la seconde près, mais ça sera quand même calé sur le 1. Voilà. Bon, ben à la prochaine pour une vidéo de mode zombie. Bon, ben à la prochaine et au revoir.